La vie. Les gars, commencez à mettre les cœurs, partagez la vidéo. Je vois que Didi Bilé, elle dit éduquez vos filles. Ah, Marcos va parler. Rimbe! Tous mes démons sont de retour. Bipé Ténor, appelez Ténor, appelez Eunice Junon, appelez les deux. Commencez à mettre les cœurs, partagez la vidéo. Je viens de parler avec Eunice Junon, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Si je n'avais pas parlé avec Eunice, ma caméra, je n'allais pas l'allumer. Si je n'ai pas parlé avec Eunice, ma caméra, je n'allume pas. Partagez la vidéo tant que je ne vois pas. Les 50 000 le partage ce soir-là. Yeah! Maman, c'est moi-même. Non, je crois pas. Non, c'est faux, c'est faux, c'est buzz. Non, c'est buzz. Non, c'est un buzz. Non, c'est un buzz. Attends. À moi, c'est compliqué. Attends. À moi, c'est compliqué. Les gars, partagez-moi la vidéo. Je veux voir les 15 000 personnes connectées. Non. Je veux voir ce soir les 15 000. Commencez à mettre les cœurs, partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas d'abord les 10 000. Non. Partagez-moi la vidéo. Nya. Moi-même, je suis assis par terre. Non, je ne vois pas. Nous tous, on va s'asseoir par terre. Et qui est? Non, attends, je suis assis par terre. Non, laisse-moi m'asseoir à terre. Laisse-moi m'asseoir. Non, je suis assis par terre. J'ai fait dire que tu es assis par terre. Ténor! 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 Eunice! Yeah! J'ai un bon bouteille! Non, je crois pas. Non, c'est buzz. Je suis assis par terre. Non, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Appelez-moi tous les Camerounais. Tous les Ivoiriens. Sortez. Attendez. Makoso, attends. Partagez la vidéo. Je dis, je ne vois pas ce soir les 15 000 personnes. Je n'ai pas. Appelez-moi Ténor. Je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo. On est à combien de partages? On est à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Aujourd'hui, là, c'est ma bouche que tout le monde attend. Tout le monde parle. Mon Dieu, on attend ma Koso. Je ne peux pas dormir. Tout à l'heure, je suis couché là. Je vois mon téléphone son coin. Je dis, il y a quoi? Quel sia? On dit, vieux père, c'est gâté. Je dis, mais il y a quoi? On dit, c'est gâté. C'est chier. Il y a ta bouteille sort dedans. Les amis, il a fait ça propre. Parce que dès le départ, quand les deux là se sont dit qu'ils vont se fiancer, celui qui se rappelle de ma première vidéo, il a dit, Ténor, j'espère que tu as bien réfléchi. Parce que nous, on est au Cameroun. Nous, on a des infos. Bon, Ténor, Elise, c'est notre fille. Quand une femme est amoureuse, c'est pas toi qui as l'appeler pour dire, non, ma petite, faut aller doucement. Parce que le moment là, voilà les informations qu'on a. Nous, on ne peut pas parler, nous, on regarde. On ne peut pas venir même affaire de pine et de con. Faut pas venir parler dedans. Faut pas parler dedans d'abord. Mais j'ai dit dès le départ, Ténor. Si tu fais souffrir Eunice, tu mourras sur ton chemin. Camerounais, vous me connaissez. Vous me connaissez, je vous connais. Vous connaissez mon amour pour le Cameroun. Mais Eunice, j'ai affaire à toi aussi. Parce que j'ai vu Eunice, le coup que tu as donné. Toi, tu es un ancien judoka.
Et puis, tu as déjà même donné un coup de tête à Bravador. Donc, toi, Elise, on te reconnaît comme étant une Nyagaseuse. C'est toi qui donnes un coup de tête. Regarde, tu passes pour une bouteille. Et puis, il y a quelqu'un qui filme. Ouais. Et qui est maman? Le goût de Congo, ça, là où c'est ça. Moi-même, je suis assis. Je fais le direct. Étant assis par terre. Je suis assis par terre comme ça. Comme un vieux sorcier. Aujourd'hui, il a rien fait la sorcellerie. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Si je ne vois pas les 15 000 personnes connectées, je ne parle pas. Partagez la vidéo, ténor. Tu vas faire direct. Tu vas faire direct. Non, tu vas sortir. Taguez-moi, ténor. Je ne sais pas si c'est l'esprit de mort de la fille là qui le fatigue toujours, mais aujourd'hui, il faut qu'elle fasse la délivrance des deux là. Non, vous allez vous marier. Non! Mariage que vous avez commencé. Et puis nous, on a vu uniforme, vous portez même habit, tout le monde est content. Vous allez vous marier. C'est moi qui vais célébrer ce mariage-là. Sinon, c'est qui va sortir. Parce que depuis, à chaque fois qu'il y a problème, je viens de dire, non les gars, laissez, c'est buzz. Ma manière même de dire que c'est buzz, tout le monde sait que Marco soit à ton tournant. Ténor, toi et moi au Cameroun, on a les mêmes relations. Ça veut dire, deux jours, tu mets beaucoup les photos du numéro 9. Samuel Eto'o, tu mets trop sa photo. Tout à l'heure, je vais lui envoyer un message pour lui donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Eto'o fils a marié Georgette. On n'a jamais entendu que Eto'o a fait parler avec Georgette. Tandis que nous tous, on connaît papa Eto'o. C'est papa, un joli garçon, dans toutes les petites pètes, tout profané, tout autour de lui. Mais on n'a jamais entendu Georgette et tous sont tels de faits parables. On n'a jamais entendu ça. Patagéli, je vais voir les 15 000. Il y a un groupe qui a dit, oui, s'il n'y a pas les 15 000 personnes ce soir, il y a brûlé Facebook. Ténor, regarde mes yeux. Ténor, ténor, ténor. Et Camerounais, aujourd'hui, vous allez me dire la vraie vérité. Parce qu'on a vu, on a pleuré pour Coco Emilia. C'est que Coco Emilia a subi avec Francis Vimba. Papa, n'a professeur de la marmaille, moi je suis le fondateur. Nous, on a prié, de partager moi la vidéo. Je viens de parler avec ma fille Elise. Elle parle de vous, elle vient de parler, elle tout de suite là même. Tout de suite là. C'est ma fille. Ceux qui connaissent son WhatsApp, la WhatsApp n'est pas gagné, c'est lui. Ceux qui ont le WhatsApp de Nice Zinon, ils savent que voilà la photo qu'elle a sur son WhatsApp. On vient de parler tout à l'heure. Voilà. Je ne peux pas monter sur son numéro en direct, quoi. Pour protéger un peu. Mais il va délivrer. Ils vont se marier. Les deux là vont se marier. Oh Seigneur, ramène-moi tous mes démons ce soir pour un seul direct. Oh Seigneur, je t'en supplie. Tous les démons que tu as chassés dans mon corps depuis un mois, qui fait que je veux plaire dans les clashs, je t'en supplie. Seulement pour ce soir, ramène-moi mes petits démons. Que mes démons reviennent dans mon corps. Revenez, démons. Revenez pour ce soir. Revenez, 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 revenez. Revenez pour ce soir. Je dois prendre le soin de délivrer des gens avec ces démons-là. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cahiers. On est à combien? Oui, mais j'ai dit, je ne vois pas les 15 000 personnes ce soir. Non! Seigneur, tout ça, pour ça, pourquoi, Seigneur, et qui, appelez-moi Elise Zinon, et qui est l'amour, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi, votre amour vous mangez là, donnez-nous un peu. Oh. Chaque fois qu'on se lève, si on voit de l'amour, les gens toujours au carrefour, dans les stades, on voit l'amour. Et nous aussi, on s'est mis à rêver. Eunice Ténor, pourquoi vous faites ça? Vous avez donné l'espoir à tous les Roumains. Et que, Seigneur, pourquoi? 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 J'ai dit, ne partagez pas vidéo là.
Ouais, le direct là. Les gars, pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs là. Pompez-moi les cœurs. Je ne vois même pas les étoiles. Comment vous pouvez être là connecté? Je ne vois pas les étoiles. Donnez-moi rapidement les 50 000 étoiles. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager la vidéo. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, que Dieu vous élève. Je vois près de 9 000 personnes connectées. Donnez-moi les 5 000 partages et le général commence le direct. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé. Donnez-moi les 5 000 partages et le Daichi va commencer le direct. Ténor, Eunice, pourquoi vous nous faites ça? On a commencé à rêver, on a cru en l'amour. Niawa! Vidéo là, mais je regarde, mais c'est pas. Il a dit, mettez-moi les cœurs ici. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je ne vois pas les étoiles. Mes super fans, chacun envoie 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles. Quand je vois les 10 000 étoiles, c'est que le papo maintenant commence. Vous vous rappelez? J'ai fait une vidéo où j'ai dit non. J'ai fait un post où j'ai lui a dit que ce qui se passe entre Eunice et Ténor, c'était un buzz. Parce que pour moi, là, faut pas, ils vont venir m'annoncer. Ça fait un mois que Eunice et Juno ne se, et Eunice et Ténor ne se parlent plus. Ça, c'est la première info que je vous donne. Ça fait un mois. Mettez les cœurs parce que Facebook va commencer à signaler le direct tout à l'heure. Mettez les cœurs parce que Facebook va commencer à signaler le direct. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler le direct parce que c'est un direct où on parle de violence sur une femme. Où on parle de violence aussi sur un homme. J'ai vu des gens dire c'est violence contre un homme. J'ai vu des gens dire c'est la femme qui a fait violence. Ok. La vidéo est là, on va décortiquer la vidéo. Et on va aller pas à pas. Ce soir, je suis très gêné parce que les gars, partagez la vidéo. Jouez au rôle, jouez au rôle. Je ne vois pas les partages. On a combien de partages? Laissez-moi contrôler, nous sommes à combien de partages? Laissez-moi contrôler, on a combien de partages? Je ne vois pas les 10 000 partages. C'est que vous tous qui êtes connectés là, vous êtes des sorciers. Voilà. Je ne vois pas les partages, on a combien de partages? Regardez bien. Moi, je parlais des preuves. Ici, on est à 834 partages. 8 000 personnes connectées. 1000 personnes seulement partagent dans 10 groupes. On est à 10 000 partages. Vous allez me faire ça aujourd'hui? Vous allez me trahir. Vous allez me trahir. Un loup berlin. Le plus grand dossier de l'année 2022. On dit Marcos va traiter ça. Vous allez me donner seulement que 800 partages. Arrêtez ça. Hein. Je ne suis pas de bonne humeur. Partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Je vais vous montrer comment on partage la vidéo. Vous mettez ici les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs. Ici là. Vous cliquez partager. À droite ici. Partagez dans le groupe. Et voici la liste de groupes. Chacun partage. Je veux voir toutes les femmes partager. Tous ceux qui aiment Eunice Zunon, vous mettez les cœurs. Tous les Camerounais qui aiment Ténor, vous mettez les points bleus. Tous ceux qui sont ivoiriens, vous mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont du Cameroun, vous mettez le drapeau du Cameroun. Ce soir-là, on va se laisser. C'est dans le dossier, il n'y a que Makoso seul qui est Camerounais parce que je m'appelle à Tangana. Qui est ivoirien, parce qu'on m'a donné là-bas le nom de Judas. Donc je suis le seul qui peut traiter ce dossier-là en profondeur. Mes amis, quand je vois les 10 000 partages, je commence à casser les papous. Quelqu'un dit, je croyais déjà en l'amour. Moi, je croyais en l'amour, hein. Moi, je croyais en l'amour. J'étais sûr que moi, je pourrais me remarier. Mais ce qu'elle vient de voir là, mon cœur, je dis, partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Pour l'heure, je ne vois pas les partages. Pour l'heure, là, je ne vois pas les partages. Vidéo là, vous allez partager sur YouTube. De gré ou de force. De gré. Je ne vois pas les 15 000 personnes. C'est direct, je l'arrête. Je rappelle les partages. Pompez ici les cœurs. Là, vous mettez les cœurs. On y a dit, Marcos ne parle pas vite. Mettez ici les cœurs. Là, vous cliquez ici, partager. Ici là, vous cliquez partager. À droite ici, vous verrez partager dans le groupe. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes. Je mets 3 millions de francs CFA ce soir en jeu. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, vous m'amenez les captures sur mon WhatsApp. Ou bien vous m'amenez sur Inbox, parce que je lis beaucoup mes Inbox. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, tous ceux qui partagent dans plus de 20 groupes, m'amenez les captures. Vous avez automatiquement une récompense. Tous ceux qui sont ivoiriens, je veux voir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont camerounais, je veux voir le drapeau du Cameroun. Pour voir ce soir, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui va remporter ce match. D'abord, les Ivoiriens, vous mettez les cœurs pour Eunice Zunon. Les Camerounais, vous mettez les pouces bleus. Pour l'heure, je vois que c'est les cœurs qui dominent.
dont les Ivoiriens sont en train de dominer le direct. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le dossier maintenant va commencer. Voilà. Voilà. Mettez-moi les étoiles, partagez-moi la vidéo. On va d'abord retourner avec l'œil de l'espère de Camille Makosso. Voilà, on va retourner d'abord dans l'historique. Est-ce que je peux retrouver les vidéos et autres? Permettez-moi s'il vous plaît. Il y a de cela quelques jours, vous vous rappelez de cette vidéo-là? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Nous, on avait les informations, on ne voulait pas parler. Regardez ici. Ténor, ça fait combien de fois il t'a appelé? Ça fait 3 fois. Ténor, ou bien regardez mes yeux, je suis dans ton pays et puis je te parle. Il y a des amusements, je ne veux pas même pas entendre. Tu vas bien m'écouter, parce que c'est ce que j'ai dit à l'annonce de vos fiançailles. Ouais. Déjà, mes fiançailles, on a commencé de la manière dont on voyait ton visage. On a l'impression que c'était Elise qui veut forcément te marier. Peut-être que toi, tu n'as pas ton envie. T'es énorme. Tu vas marier la fille, là. Tu vas la marier de gré ou de force. T'es énorme. Qui se rappelle de cette vidéo? Qui se rappelle? J'étais au Cameroun quand j'ai fait cette vidéo. Parce que déjà des rumeurs commençaient à sortir que Ténor et Eunice étaient déjà gâtés. Ok. On va aller pas à pas. Je suis en train de retrouver la première vidéo même. Oh, je ne retrouve pas la première vidéo. La première vidéo quand les deux se sont dit que non, ils vont se fiancer. J'ai fait une première vidéo parce que j'avais des informations par rapport à ce que je savais qui n'était pas du tout intéressant. Parce que nous, on a des filles qui sont au Cameroun. Quand une fille t'appelle pour dire, ah mon vieux, c'est vrai que Ténor et Eunice sont fiancés, hein, mais ma camarade est avec Ténor. Quand il te dit ça, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vas venir me dire, non mon général, pourquoi tu n'as pas dit ça à Eunice? Non, ça ne me regarde pas. Moi, la vie privée des gens ne me regarde pas. Hein. Les testicules d'un homme ne sont pas convertis. Et au Cameroun, la polygamie est légale. Si le corps d'un homme, la seule partie qui n'est pas convertie, ce sont les testicules d'un homme. La pine d'un homme n'est pas convertie. Lui, parle pas en langue. Même le pasteur. Quand tu es en train de jeûner pendant 40 jours, tes testicules te disent, je ne suis pas pasteur, s'il te plaît, arrête-moi tes bêtises, moi je veux mon goût. Excusez-moi pour la vulgarité, mais démons sont de retour pour ce soir, exclusivement pour ce direct. J'ai vu tous ceux qui ont partagé dans 50, dans 20 groupes, vous m'amenez les captures. Ce soir-là, je mets 3 millions sur la table. Si on atteint les 15 000 personnes connectées, il y a enchaîné ce direct-là, vous n'allez rien comprendre. Parce que ce qui me donne le courage de parler, c'est quand vous mettez les cœurs, vous partagez le direct. Mes amis, qui se rappelle? Je cherche ma vidéo, je ne trouve pas. Je cherche vidéo là, je ne trouve pas. Je cherche vidéo là, je ne trouve pas. Quand Ténor, parce que souvent quand on le dit, nos frères camerounais se fâchent. Dès qu'on dit ça, nos frères camerounais se fâchent. Ils disent non. Ils disent non, mon général, il ne faut pas dire ça parce que nanani, nanana. Et oh, je cherche une vidéo, c'est une vidéo que je cherche. Je ne la trouve pas actuellement. Shalom à tous. Je ne la trouve pas. Il y a une vidéo que je cherche. Ma première vidéo, quand t'étais là, vous vous rappelez tous de cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 22. Coupez décalé. A fait un accident ici. Cette vidéo-là, qui se rappelle de ça? Mort. Des bandeaux. Qui se rappelle de cette vidéo? Lorsque Ténor a fait son accident, le seul influenceur mondialement connu qui est sorti sur les réseaux pour venir parler s'appelle Camille Makosso. C'est moi qui défendis Ténor. Il était en vie quand Ténor m'a appelé de son lit d'hôpital. Il m'a dit, papa, j'ai voulu intervenir dans le direct. C'est moi qui ai dit aux Camerounais, un accident peut arriver. Libérez votre étoile. Ça peut arriver. C'est un accident. Il ne faut pas en prendre le signe de tel le petit. C'est Camille Makosso. Donc, on dit qu'il vient parler. Il ne faudrait pas que les bipolaires des réseaux sociaux, ceux-là même qui sont prêts à tout accepter dans la bêtise, puissent se lever. Il y a des femmes qui sont connectées, il y a des hommes qui sont connectés. Dans la vérité, quand vous voulez parler d'un sujet, vous devez apprendre à vous mettre dans la peau de chacun. On va voir la vidéo de ce qui se passe. Parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire que c'est un buzz. D'autres disent que ce n'est pas un buzz. On va vérifier ça ensemble. Voilà. Ténor. D'abord, ce n'est pas une belle image. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour
d'abord l'image de l'artiste. Je vais vous expliquer pourquoi. On met les émotions de côté. On met vouloir défendre sa soeur. Moi, je ne suis pas dans ça. Vous me connaissez. Quand moi, c'est bleu. Eux, ça ne voulait pas une bouteille. Bouteille, là, ça allait créer quoi? Si tu casses ça sur l'enfant de quelqu'un, l'enfant peut mourir là. Donc, on appelle ça une violence conjugale. Mais qu'est-ce qui est entraîné? Et pourquoi celui qui est en train de filmer, filme? C'est là où je me pose des questions. Quelle était l'intention de celui qui filmait? Parce que celui qui filme là, faut pas que lui et moi se rencontre. Hein. Ça, je ne sais pas qui il est, mais quand il va voir la vidéo, faut pas toi et moi, même au Cameroun, toi et moi se rencontre. Il a été fait ça propre. Lui, il a été fait ça propre. Parce qu'un homme qui filme une femme et un homme en train de se battre, d'abord, une femme te tape. Il y a le venin des choses. J'ai envie de parler, mais je ne sens pas le partage. Je veux parler, mais tous mes démons ne sont pas encore bien de retour. Partagez-moi la vidéo, mes démons vont revenir. Partagez-moi la vidéo, mes démons doivent revenir. Mes démons ne sont pas encore revenus. On va voir, d'abord voici les images, les premières images qui sont sorties, les voici. On voit Eunice Zinon dans une prise de tête, elle a cadenas. On appelle ça, encore on appelle ça un cadenas. C'est-à-dire Eunice Zinon, non, Golès sait se battre, ça il faut reconnaître, Golès sait se battre. On voit Eunice Zinon qui a maîtrisé la tête de Ténor. Voilà, on voit Eunice Zinon qui a maîtrisé la tête de Ténor. Elle a cadenas. Voilà. On voit ici Eunice Zinon qui est sur Ténor. Elle est en train d'envoyer maintenant un coup de poing. On appelle ça, encore, on appelle ça un goto. Ça, on appelle ça un gotoli. C'est-à-dire quand il y a un bas, puis tu le mets le gotoli. Ça, c'est un gotoli. Maintenant, on voit ici encore, belle image. Eunice Zinon, cette fois-ci, elle a maîtrisé la tête même de Ténor. Ça, vraiment, elle a maîtrisé sa tête. Ici, maintenant, on voit Ténor. Comme Francis Ngannou qui est en train de se réveiller maintenant. Ténor, là, en train de se réveiller. Voilà, c'est là qu'il a soulevé. Mais la bouteille, Eunice a vu la bouteille. Elle dit, oh Seigneur, merci, il y a une bouteille qui est là. Je pourrais l'utiliser dans le but de me défendre. Mais au-delà des images, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vidéo maintenant est sortie. Je ne peux pas montrer la vidéo si on n'est pas 15 000 personnes connectées. Pourquoi? Si vous ne mettez pas les cœurs, que vous partagez pas la vidéo. Si je mets la vidéo, Facebook peut bloquer mon compte. Ma page là, ça fait 2 300 000 abonnés. Si je m'amuse à la perdre, toute la côte va se moquer de moi. Parce qu'on rêve de voir ma cosso perdre sa page. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous ne partagez pas? Donc ici, voici la vidéo. Voici actuellement la vidéo. Pour ceux qui disent c'est un buzz ou ce n'est pas un buzz, l'expert Makoso, père des réseaux sociaux, professeur agrégé de la haute marmaille, l'homme qu'on appelle LPB de Oro, Atangana Fokam, Kami Makoso défaut, va parler ce soir. Je vais regarder en tant qu'expert. Bon, on va regarder d'abord, c'est le premier coup de Eunice. Parce que le palam n'a pas commencé quand le gars a commencé à filmer. Non. Non. Le monsieur a commencé à filmer quand la bagarre avait déjà commencé. Donc, on sent déjà qu'ils étaient en train de lutter. Quand Eunice dit, tu te prends pour qui? Ça veut dire qu'il y a eu une action qui a mené une réaction. Ça, là, on est. Faut pas vraiment se mentir. Maintenant, on va voir si c'est un buzz ou si c'est pas un buzz. Premièrement, vous voyez, voici comment ça commence. Donc, la bagarre a déjà commencé. Parce que là, on nous montre la vidéo, mais on sent que la bagarre a déjà commencé. Maintenant, c'est la partie de voir si Eunice vraiment a tapé ou elle n'a pas tapé. Regardez s'il vous plaît. Voilà, voilà. Calmez-vous. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Pas à pas. Laissez-moi rapidement. Cette vidéo, il faut que je la télécharge. Parce que l'œil de l'expert doit aller en ralenti dans cette vidéo. Le dossier est loué. Le dossier est loué. Le dossier est loué. Ouh, le dossier est loué. Ça, c'est. Ça, c'est le dossier loué. Et on a vu le dossier de Coco Emilia. On s'est dit ça c'était le plus lourd dossier de 2022. Mais ça là, c'est venu de passer pour Coco Emilia. Non. Coco Emilia, actuellement là, tu es détourné. Coco Emilia, ton blaze est détourné. Toi, Francis Zemba, votre blaze est détourné. Alors on parle là. Non, c'est Eunice Zinon. Non, c'est Eunice Zinon et puis Ténor. Non, toi, Francis Zemba, vous voulez être trop petit? Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je vois même pas les étoiles. Tous ceux qui donnent les étoiles, que Dieu vous bénisse. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je vois les 15 000 personnes. Ma page est restreinte. Mais donnez-moi l'élan, la flamme.
dossier est lourd. Le dossier est lourd. Il commence à avoir mal à la tête. T'es là. Toi, tu fais pas la belle femme. Regarde tes cadenas. Non, mais t'es là. Ténor, toi tu fais pas la belle femme. Et qu'à la femme qui est cardinal, Ténor, tu as gardé ton nom. Non, tu as gardé ton nom. Tu as gardé ton nom. Et qu'à une jument, ta cardinal. Elle a tapé, elle a tapé, elle a tapé, elle a tapé. Ça là, c'est pas beige. Ça là, je vous demande, non, c'est pas beige. Émis l'a tapé. Ouh, Émis l'a tapé. Elle l'a mis. Bah, tu te prends pour qui? Émis. Il sait pas qui t'a frappé l'homme comme ça. Hein? Émis l'a tapé. Hein? Non, il est montré. Il est décortiqué la vidéo là. Il faut que je fasse déjà une profondeur. Mais je ne vois pas les 10 000 partages là. Il sent qu'il y a trop de têtes ici ce soir. Bon, j'ai téléchargé la vidéo. Regardez là. Regardez là. On va mettre pause. Regardez là. Voilà. Regardez là. On va retourner en arrière. Ralenti. Il faut le ralentir. Là. Là. On reste là. Là. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. On va développer là. 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 Regardez maintenant. Regardez maintenant doucement, on y va, Christian. On y va, regardez là. On y va, elle a mis. Regardez là, regardez. Là, on ne peut pas parler d'un bœuf, regardez là. Regardez, regardez, elle a tapé. Le premier coup est parti, ce qu'on a vu. Regardez là. On sent que Ténor est en train de lutter sur les fesses de Denise Junon. Et là, elle a tapé. Là, elle a tapé. Là, elle a tapé. Là, elle a tapé. Là. On sent que Ténor veut la soulever. Mais il n'avait pas l'information que Eunice a fait le judoka. Donc là, elle a tapé. On va maintenant aller en intégralité. Suivez. Suivez maintenant. Regardez là. Suivez. Suivez, suivez, suivez. Suivez. Oh, téléphone aussi ne veut pas parler. Téléphone a quel problème? Bon, non, calme-toi, Eunice. Calme-toi. Calme-toi. Je dois décortiquer ça proprement. Regardez bien maintenant. On va répondre. Là. Voilà, regardez là. Arrêtez ça. Et il y a un animal qui est couché à terre qui a la voix même du manager de Ténor. Tu vois, non? Là, Ténor a renversé la situation. Regardez là. Là, vraiment. Regardez là. Regardez là. Regardez. 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 La bouteille. Regardez la bouteille. Hein. Regardez la bouteille. Elle a pris la bouteille. Il a renversé. Il a tapé. Il a tapé. Il a tapé. Il a tapé. On peut pas souffrir pour garçon. Tiens, on va remonter dans l'histoire. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. Mes amis, l'histoire, pas de quoi. Je commence à transpirer, ça veut dire que l'inspiration est en train de venir. L'histoire pas, on va répondre depuis le début. Au départ, Eunice et Ténor sont ensemble. Je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des invitations parce qu'ils veulent intervenir. Vous n'allez pas intervenir, vous vous calmez. Partagez-moi la vidéo, je vois les 15 000 personnes connectées. Eunice, je ne vois pas les étoiles. Et Ténor étaient ensemble. Pour ceux qui se rappellent, Eunice et Ténor se sont séparés sur une affaire d'adultère d'abord. Ténor, tu sais, je te dis d'abord une chose. Pour tout homme normal, peut jamais donner raison à Ténor dans cette affaire. Pour tout homme normal, peut pas donner raison à Ténor. Il y a aussi pourquoi. Parce qu'il faut dire la vérité. Quand Ténor a eu son problème là, il partait mougou une petite fille. Donc il partait tromper Eunice. Et il y a eu moins d'hommes dans l'affaire. Eunice n'a pas tenu compte du fait que cet homme partait la tromper. Eunice n'a pas tenu compte du fait qu'il avait déjà trompé. Eunice s'est dit, mon homme que j'ai aimé un jour est dans des problèmes. Je laisse tout, je m'en vais au Cameroun. Tous les Camerounais ont applaudi l'acte de Eunice. Tous les Camerounais ont dit, Eunice est une vraie femme. Pratiquement toutes les 2 semaines, Eunice était au Cameroun. Eunice était au Cameroun. Elle n'a pas aimé Ténor quand il était dans sa gloire. Elle a montré son amour à Ténor quand il était dans la prison. Les femmes qui aujourd'hui lapent les testicules de Ténor, ces femmes aujourd'hui qui amassaient, courent derrière Ténor, elles étaient où quand Ténor est en prison? Soyons vrais, pour une fois. On ne sait pas ce qui a mené jusque-là, mais retournons dans l'histoire. J'aimerais que les gens mettent ici Yako Eunice. Une femme, quand elle aime avec ses tripes. Eunice, des hommes l'ont abandonné en Côte d'Ivoire, ne voulant plus l'aider
dans son spectacle. Parce qu'ils ont appris qu'elle allait se marier. Elle a accepté affronter ses relations. Elle a accepté perdre ses relations à cause des ténors. Mes amis, même si on est maudit, comment apprenons à dire ce qui est vrai. Je répète, même si on est maudit, comment apprenons à dire la vérité. Calmez-vous, c'est un papa qui est en train de venir. On est en train de m'amener un papa encore. Il y a un papa qui vient. Il y a un papa encore qui vient. Dis-moi la vérité. Moi, si Elie, c'était ma petite soeur, il y allait dire Elie, fais très attention. Amour à distance, c'est un amour auquel moi je ne crois pas. T'as dit, toi, tu es femme. Moi, je peux croire à une femme qui m'aime, qui vit à distance. Mais amour avec un garçon qui ne vit pas dans la même maison que toi, qui vit loin de toi, je ne crois pas ça. Surtout quand c'est une star, surtout quand c'est un artiste. Camerounais. Six. Camerounais. Ah, Elie, tu allais chercher, hein? Si dans l'Afrique tout entière, même la femme camerounaise a peur de son frère camerounais. La femme camerounaise a peur de son frère camerounais. Parce que les deux testicules d'un camerounais ne sont pas convertis. La preuve, ils ont légalisé la polygamie. Voilà. Parce qu'un camerounais normal, quand il n'a pas deux, il n'a pas trois, ce n'est pas normal pour lui. Ça, ce sont des chiens camerounais. Je suis là, c'est dans le sang. C'est dans le sang que ça se passe. Tu as laissé tout. Les bazookas, les kikinets, les pines, les quoi que ce soit d'Abidjan, tu dis c'est pour tes noms tu veux. La Côte d'Ivoire l'encourager parce qu'on s'est dit notre soeur est amoureuse. Et comme les femmes ivoiriennes, quand elles voient un Camerounais, elles perdent le contrôle de l'essence. Francis Ngannou, s'il arrive en Côte d'Ivoire, là, mais on est mort, là c'est pas la paix, là c'est fini, là c'est la mort. Regardez, l'artiste là est venu, il a divisé un couple. L'artiste camerounais Tech, il est venu en Côte d'Ivoire, il a divisé en couple. Je ne sais pas ce qui est attaché aux testicules des Camerounais. Et quand les femmes ivoiriennes voient ça, elles ne se contrôlent plus. Mais je ne sais pas. Merde. Voici Georgette, elle est derrière sa mère et tout. Je ne sais pas. Elise a vu Ténor, elle est derrière Ténor. Maintenant, ça finit par Naga. Toi, tu me connais, tu me demandes pour qui? Bouteille soit dedans. Et tiens, vous allez vous marier. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vends pas les cœurs. Tu as vu quoi? Ils vont se marier. Quand c'est chaud, il faut que ma grosse serviette sorte. Quand c'est chaud, ma serviette va sortir. Je ne sais pas ce que les femmes ivoiriennes ont vu sur les testicules des Camerounais. Dès qu'on voit un Camerounais, c'est comme ça qu'ils deviennent. Si Francis Ngannou arrive en Côte d'Ivoire, c'est fini. Nous tous, on est morts. C'est fini. C'est pour ça que je me suis levé. Moi, mon affaire n'est plus compliquée. Je dois marier une Camerounaise. Je dis, je ne me fatigue plus. Maintenant, revenons au dossier. Mettons un peu de comédie à côté et parlons du dossier dans le fer et dans le fond. Eunice a été une femme vraie dès le départ. Eunice a été une femme modèle dès le départ. Eunice a été une femme concrète dès le départ. Je répète, nous on a fait la prison. Quand tu es en prison, la femme qui vient te déclarer son amour, la femme qui vient te prouver son amour, c'est elle qui est la véritable femme. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, s'il vous plaît, accélérez. Accélérez-moi les partages. Accélérez-moi les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Accélérez-moi les partages. Accélérez-moi les partages. Mon petit, partage-moi mon direct sur toutes les stories. Sur toutes nos stories. Partage-moi ça sur toutes nos stories. Le direct est lourd. Partagez. Je ne vois pas les partages. Je ne vois même pas les étoiles. Comment 15 000, 14 000 personnes sont connectées? Je vois seulement 5 000 étoiles. Donnez-moi les étoiles, toutes les femmes qui sont... Les femmes aujourd'hui se sentent désespérées. Parce qu'elles se disent, tu permets un homme. En fait, quelle est l'histoire qu'on retient de cette affaire? Un homme fini. Parce que Ténor était fini. Je répète pourquoi. Ténor était fini. Affaire où il y a mort d'enfants sur ton dos. Mon ami, tu es fini. C'est nous là. On a nettoyé l'esprit des gens. Tous les Camerounais, certains Camerounais veulent le manger. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ne l'ont pas soutenu. Pour dire comment tu parles pour enfant des gens, la fait sortir d'un internat, la mettre dans une voiture et aller tuer cette petite. Tout le monde n'était pas à manger cet enfant. Ténor est allé en prison.
Il nous a dit qu'il a rencontré le Seigneur, que Dieu a changé son cœur, que Dieu a parlé à son cœur. Un an plus tard, une petite fille ayant lapé l'anus et les testicules de Ténor, le Seigneur est sorti du cœur de Ténor. Le Seigneur a été mis à la porte. Tous les vieux démons de Ténor sont de retour. Ils mouvent à gauche, ils mouvent à droite, ils mouvent à gauche, ils mouvent à droite. La petite Élise dit, c'est pas ce qu'on s'est dit, faut pas faire ça. Ma famille me regarde, je ne suis pas d'une famille piètre. Mes parents me regardent, j'étais présenté à ma nation. Ténor, on a fait habit, il faut avoir pitié de moi. Je suis une femme, j'ai un cœur. Ténor dit, calme-toi. Nous les Camerounais, quand le Bangala s'élève, il doit travailler. Élise dit, pardon, pour moi là, ça est là. Prends-moi dans toutes les positions. Ténor, les esprits de Ténor, les anciens démons de Ténor sont revenus dans son corps. Ténor a oublié le Seigneur. Comment le Seigneur l'a libéré de prison? Ténor a oublié la promesse qu'il a fait à Dieu. Seigneur, si je sors, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Ténor, 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 tu as oublié le Seigneur. On peut faire ça, Ténor. Ah! La femme, j'ai dit, est-ce que Ténor n'avait pas de go au Cameroun? Si. Tu vois qu'elle donne des noms. Il y a même une, on m'a donné l'information qu'elle est enceinte au Cameroun. Mais pour l'instant, je n'ai pas toutes les preuves, donc je ne vais pas m'avancer sur certains dossiers. Maintenant, ce qui est en train de se passer n'est pas à ton honneur. Pour deux raisons. Un, il y a mort de femmes sur ton nom. Deux, il y a maintenant parlable avec femme encore sur ton nom. Ce n'est pas bon nom. Quand on est un artiste, on fait très attention à son image. Quand je dis venez à l'école de la marmaille, vous ne venez pas à l'école de la marmaille. Chacun fuit les classes. Ils vont sauter les clôtures comme Francis Mvemba qui prend tout son talent pour aller escroquer une femme amoureuse appelée Coco Emilia. Qui vous a pris à fuir l'académie de la marmaille? Qui vous a pris à sauter la clôture? Maintenant, voici les conséquences. Voici les conséquences. Des personnes me diront, mais Ténor a toujours soutenu Eunice. Eunice sans Ténor à Abidjan. Elle est un usinon. Elle n'a pas besoin de Ténor pour remplir salle à Abidjan. Elle n'a pas besoin de lui. Arrêtez la comédie. Arrêtez de faire du chantage. Arrêtez mon hypocrisie. Un usinon est reconnu en Côte d'Ivoire comme l'une des filles qu'on appelle, c'est la mascotte des Ivoiriens. Même les enfants aiment un usinon. La star préférée de ma fille, Métis, s'appelle un usinon. C'est elle qui m'a obligé à aller au spectacle de Eunice. Sinon, moi, Eunice, pour moi, me faire rire. Pour que Eunice arrive à me faire rire. Moi, le père de la marmaille. Tout le monde ne me fait pas rire. Hein. Le seul qui peut me faire rire, il s'appelle Dibé Cravate. Je ne ris pas comme ça. Donc ma fille m'a dit, mais tu trouves quoi dans le fait d'Eunice Junon là? Elle dit, papa, moi je l'aime trop. J'ai dit, mais tu y a quoi qui te plaît dedans? Elle dit, papa, je vais regarder les vidéos d'Eunice Junon. Je vois que la fille a fait des 1 million de vues hautes. Je suis allé à son spectacle. Et j'ai été touché par le professionnalisme. Ce jour-là, elle a honoré Ténor. Elle a caché la relation parce qu'elle voulait éviter ça. Là. La honte, là, elle voulait éviter. Elle s'est dit, comme le monsieur est sorti de prison, sûrement que Ténor a changé. Mais comme le dit un langage, le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi. Ténor, tu n'es pas un chien. Tu vas marier Eunice. Non, tu vas la marier. Petit, petit, tu vas la marier. Gola, nous on parle, là, c'est pas parce qu'on est inconnu. Nous, on est mondialement connus plus que artistes. Il y a des artistes, ils lancent directement, on lance directement, eux, ils se taisent. Il y a des artistes, quand on arrive, eux, ils arrivent, eux, ils se taisent. On n'est pas des inconnus. On est des légendes vivantes dans le pays. Tu vas nous confirmer que impossible, là, c'est pas camerounais. Toi, mariée femme, là, mettez-moi les étoiles, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les étoiles. Mettez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Toutes les femmes qui sont d'accord, mettez-moi les étoiles. Je vais parler à mes frères camerounais. Parce que vous êtes mes frères. Et vous, là, et moi, je suis celui qui me suis sacrifié pour aller au Cameroun. Pas parce qu'il y a eu peur. Ma nation m'a traité de Judas. Donc je peux défendre le Cameroun bec et ongles. On a une coupe du monde devant nous. Mais l'attitude de Ténor, cette trahison vis-à-vis de Eunice Junon, ne peut pas être soutenue par quelqu'un. Arrêtez de nous amener les histoires que non, sûrement, Eunice même là, il y a des choses qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Ténor a fait accident. Une fille est morte. Enfant de quelqu'un mort. Et puis Eunice dit, dans ta prison, moi, je vais aller t'aimer. Vous voulez qu'on parle de tout l'argent que Eunice a donné dans cette affaire? Vous voulez que je parle de ça? Pour l'instant, je garde ça confidentiel. Vous voulez que je parle de l'argent des transferts de Western Union que Eunice faisait?
Donc on a été dans quoi? Soit on a été dans une arnaque émotionnelle. Soit on a un Français, c'est vraiment bis. Mais cette fois-ci, de nationalité camerounaise, qui est venu arnaquer une jeune ivoirienne, qui était pris d'amour pour lui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, le mensonge, je ne l'aime pas. Le haine m'a détesté, je ne l'aime pas. Maintenant, on va revenir à toi, Eunice. Eunice, on regarde la vidéo. Et les Ivoiriens sont un peu étonnés. Parce qu'il faut qu'ils disent les choses clairement. Eunice, ce qu'on est en train de voir ici, là, on voit une femme qui se bat. On voit une femme qui se bat avec garçon. Oui, c'est ce qu'on voit ici, là. On voit une femme qui est en train de se battre avec garçon. On voit une femme qui a tout débat, qui sait se battre, qui sait n'a quand même un garçon, non, Eunice. La question, nous, j'aimerais savoir, vous vous êtes battu il y a combien de fois? C'est vrai que tu es notre fille, mais moi, j'aimerais savoir cela. Vous vous êtes battu combien de fois? Combien de fois vous vous êtes battu? Dans un couple, le jour où vous dites, on veut se marier, il y a des choses, je vois des enfants qui parlent. Moi-même, le jour où j'ai regardé la demande en mariage de Ténor, même j'étais froid. Parce que je suis un marmailleur. Je suis le professeur agrégé de la marmaille. Je suis né dans mon sang. Il y a les globules bleus, il y a les globules rouges, les globules blancs et les globules de la marmaille. C'est dans mon sang. Je connais qu'un homme ne t'aime pas. Je n'ai pas vu, on le voit. Le jour de la demande de mariage, tu sens que. Et Ténor était froid. Tu sens comme si c'est la fille qui a tout préparé, qui a fait même la décoration, parce qu'elle s'est dit, j'aime le gars, je veux vraiment donner de l'espoir. Mais le gars, il est froid. Même le bisou à l'aéroport, tu sens que c'est bizarre. Eunice, vraiment. Tu as vérifié billet d'avion de Ténor pour venir à Abidjan, c'est Eunice qui paye. Et je suis. Quand femme ivoirienne, elle même devient bête. Surtout quand elle a goûté les testicules d'un Camerounais. Je ne sais pas si au bout de l'épine, là, ce qu'ils mettent. Mais quand ça rentre dans le pétou d'une ivoirienne, elle devient folle. Je suis sûr que c'est Eunice qui payait billet d'avion. Viens te reposer à Abidjan. Viens te reposer à Abidjan. Viens, elle loue appartement. Faut te reposer ici. Bébé, il allait faire uniforme. Coucou, 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 coucou. Et on se pose une seule question. À partir de quand cette violence a commencé? Parce que moi, il y a une vérité. Quand il y a eu Eunice, je lui ai posé la question. Il t'a tapé ou il t'a pas tapé? Elle dit, aïe, c'est parce qu'il m'a tapé qu'il s'engendre le palabre. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est parce qu'il m'a tapé qu'il s'engendre le palabre. S'il ne m'avait pas tapé, je n'avais pas fait ça. Donc, cette histoire est une histoire rocambolesque, digne d'un film de la marmaille sentimentale. Maintenant, on va aller pas à pas. Je vois aujourd'hui les mêmes femmes qui viennent s'asseoir. Non, aidons Ténor, homme battu. Arrêtez ça, vous les femmes. Vous les femmes, arrêtez. Il n'y a pas deux jours, vous n'avez pas dit trois jours. Une femme camerounaise a été frappée dans une voiture. On a tous défendu la cause de la femme. On a toujours attesté qu'une femme est un être fragile. Une femme te gifle. Quand tu es l'homme, tu sais te retenir. C'est sans dire que tu es un homme. C'est sans dire que tu es un homme. C'est son dit, c'est non. Tu vas me dire, mais avant, on s'en prend en bouteille. On peut tuer enfant des gens, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a engendré là? L'homme qui est en train de filmer là, qui il est? Lui, c'est qui? Deux personnes sont en train de faire violence dans un hôtel. Parce que quand on regarde la chambre, on sait que c'est un hôtel. Et lui, il ne vient pas intervenir. Lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est prendre une image. L'homme n'aime pas Ténor. L'homme qui est en train de filmer n'aime pas Ténor. Donc, tout ce, vous voyez. C'est ce qui est malheureux. Ténor a eu des problèmes. Son manager est celui qui a fait le premier communiqué, qui a mis Ténor dans des problèmes. Il a voulu anarquer les gens pour faire croire que Ténor voulait raccompagner deux filles, deux admiratrices à leur lieu d'hébergement. Il est venu mentir devant toute la nation. Le même manager, Ténor, l'a gardé. Quand j'entends la voix de ce bâtard spirituel qui est à côté, ça ressemble un peu à savoir, mais j'ose croire que ce n'est pas lui. J'ose croire que ce n'est pas lui. Paye-toi. Gifler qu'on met dans ton oreille quand tu as descendu à l'aéroport d'Abidjan, tu as respecté les gens. Deux personnes sont en train de se battre. Quand tu es un ami, tu fais quoi? Tu t'interposes. Quand tu es un ami, tu te mets au milieu parce que tu dis, je dois protéger mon artiste. Imaginez qu'elle à l'hôtel appelle la police. Que la police arrive. Eunice Zino, je n'aurai jamais tort en Europe. Eunice n'aura jamais tort. Pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est une femme.
Femme, chiffre, garçon en Europe. Policier arrive et puis c'est toi le garçon prend en tambac. Pourquoi? Parce qu'on dit la femme est un être fragile. Elle a tous les droits. Partagez-moi la vidéo, je vais commencer à dévoiler les choses. Partagez-moi la vidéo, je vais commencer à dévoiler les choses. Faut pas qu'on soit des hypocrites. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un problème que Ténor est Camerounais, que tous les Camerounais vont se mettre derrière Ténor pour dire non, soutien notre fait. On ne soutient pas la bêtise. Si un Livraien a tort, on vient lui dire mon ami, tu as tort. J'aimais les Camerounais parce que tous les Camerounais ne sont pas bipolaires. Il y a des vrais Camerounais. Lorsqu'un Camerounais a chicoté deux Ivoiriennes, au niveau de comment on appelle ça, au niveau du Maroc, tous les Camerounais se sont levés pour dire un Camerounais ne porte pas mère femme. Parce que les Camerounais respectent leur maman. Et on vient de voir une image d'une trahison. D'une trahison. Une femme qui a sacrifié sa jeunesse, sacrifié son argent, sacrifié son temps pour aller tous les jours au Cameroun à cause de tes morts. Toi, t'as venu lui dire merci en humiliant. Toi, t'as venu dire merci à Eunice et puis ton ami Phil. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis son ami Phil, le manager Phil, il est content. Lui, il est heureux. Parce que il y a des nouvelles petites filles qui sont autour, qui n'ont pas connu de tenant en prison, qui vont essayer de profiter maintenant de la nouvelle gloire. Et il y a des personnes qui veulent soutenir ça. Que Dieu permette que vos maris vous humilient un jour. Toute femme qui soutient ça, que Dieu permette que ton mari t'humilie un jour de cette même manière. Tout homme qui va soutenir ça, que ta femme puisse toujours te tromper avec le voisin du quartier. C'est méchant. C'est méchant. En temps normal, les Camerounais devaient dire, Eunice, tu es notre belle-sœur. Oui, il faut reconnaître. De toutes les femmes camerounaises, il n'y a pas une qui a soutenu Ténor comme toi tu l'as fait. Soyons vrais. Ce que je dis, si c'est faux, dis mon général, c'est faux. Moi, je m'arrête. Ce que je viens de dire là, si c'est faux, dis mon général, c'est faux. Moi, je m'arrête. On s'en fout du début d'une bagarre. Un homme se bat pas avec une femme. C'est la loi. Camille Makosso, on a raconté le matin. Oh, Makosso battait sa femme. Vous avez une fois vu une trace sur ma femme? Ou bien un bleu sur ma femme? Les gens racontent leurs fantasmes. Quand des gens étaient maltraités dans des familles, des gens étaient violés dans les... Je pose la question. Je répète. De toutes les femmes que Ténor a connues, est-ce qu'il y a une femme qui a été aussi prête que Eunice? Qui a été aussi prête? Ténor vient en Côte d'Ivoire, on oublie qu'il a fait accident la tuer femme. On oublie ça. Parce qu'on se dit, Eunice est derrière Ténor. Je pose la question. Retenez ici. Retenez. Je pose une question à vous tous. C'est vrai, nous tous là, on aime le beige. On aime protéger ceux qu'on aime. Moi, Eunice Zinon, vous connaissez qu'elle est en problème avec, comment elle s'appelle, hein? Ilidéo. Et vous savez que Ilidéo, c'est ma fille. Donc moi, Eunice Zinon, là, on se gamba à faire des Ilidéo. Je suis Ilidéo. Eunice Zinon, on ne parle pas trop. Ça vous dit, depuis la canne, Eunice Zinon, on ne parle pas trop. La seule fois où on a parlé, c'est aujourd'hui. Je lui ai posé seulement une question. C'est buzz ou c'est réalité? Elle dit, ça fait un mois, lui, on ne se voit plus haut. Mais tu sens dans ses paroles qu'elle est blessée. Et je vois des gens qui viennent s'asseoir, qui disent non, elle achetait le mariage. Que Eunice, sinon, achetait le mariage. Parce qu'elle est tellement laide. Eunice est tellement vilaine. Eunice, elle est tellement inconnue. Elle n'a même pas de talent. Que Eunice, sinon, achetait mariage. Oui. Oui, femme. Femme. Toi qui viens de dire ça. Que le célibat attaque toute ta famille. Que tous tes descendants soient célibataires dans leur vie. C'est méchant. C'est méchant. Moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai fait prison. Ma femme ne m'a pas abandonné quand moi j'étais en prison. C'est ce qui m'a amené à rester avec elle jusqu'à ma mort. Parce qu'on dit, c'est dans tes moments les plus difficiles que tu reconnais ceux qui t'aiment. Ténor devait penser au moins à sa prison. Un homme qui a fait la prison devient différent quand il sort. Un homme qui a fait la prison parle différemment quand il sort. Parce qu'il sait que dans la douleur de la prison, lorsqu'il était entre la vie, Ténor aurait pu prendre 10 ans d'emprisonnement ferme. Ténor aurait pu prendre 20 ans d'emprisonnement ferme, conduite en état d'ivresse, ayant engendré mort. On te donne 10 ans. Mais nous avons tous bataillé. Nous avons lutté. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire que non, Eunice était plus vieille que Ténor. Ténor, c'est un enfant. Ténor, donc avant qu'il parte en prison, il ne mougoussait pas la fille. Son con n'était pas doux.
Quand il n'est pas dedans, on t'oblige quoi. Donc, tellement quand vous le regardez là, un vagabond comme lui, un guerrier comme lui, un nouchi comme lui, on peut le maltraiter, on peut l'obliger à manier femme. On peut l'obliger jamais. La femme a été prête pour lui lorsqu'il était en prison. La femme s'est donné corps, âme et esprit. On ne peut pas lui dire merci de cette manière en l'humiliant. Tu es femme. Il faut te mettre à la place d'une femme. Tout ce que vous connaissez, c'est Moufo. Quittez là-bas. C'est être méchant. C'est ça qu'on appelle l'acte de sorcellerie. Ne donnez pas raison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne donnez pas raison à certains Ivoiriens. Moi, je connais des Camerounais. Il y a un homme qu'on appelle Samuel Eto'o-fils. Il y a un homme qu'on appelle Samuel Eto'o-fils. Dans tous ses délits, il a toujours honoré sa femme et Dieu l'a élevé au-dessus de tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus connu que Eto'o-fils. Ngannou n'est qu'à prendre toutes les ceintures qu'il veut. Mais quand on parle du Cameroun, est égal à Samuel Eto'o-fils. Pourquoi? Nous tous, on connaît l'affaire de comme Nathalie Kouat. Quand il était avec Nathalie Kouat, on savait qu'il était avec, comme il s'appelle, Georgette. Mais Samuel Eto'o a toujours respecté sa femme. Est-ce que les gens n'ont pas raconté que Georgette Eto'o est plus âgée que Samuel Eto'o? Est-ce que vous avez une femme vu Eto'o fils humilier sa femme? Il a toujours honoré. Même pour raconter des gens, oh, il paraît que telle fille dit qu'elle a fait enfin Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a toujours mis sa femme au devant. Il a toujours honoré parce que la femme est comme une fétiche. Hey, j'ai mal. J'ai mal. Je n'ai pas mal parce que c'est ténor. Je n'en veux pas à ténor. J'en veux à toutes ces femmes qui font confiance à des hommes, qui donnent leur argent, qui se donnent, qui se tuent pour des hommes. Et qui à la fin, on doit les battre, on doit les humilier, on doit les ridiculiser. Et puis on finit. À partir du moment où c'est l'un des gars de ténor qui a filmé la scène, ténor n'a plus raison. Ténor n'a plus raison. Parce que dans quelle intention le film a été fait, dans quel but, tout ce qui est... Et puis la vidéo sort. Pourquoi? Ça vous pouvez quoi? Si tu veux annoncer au monde entier que tu n'es pas la fille, tu annonces officiellement, ah vraiment, pour des raisons d'incompatibilité, moi et la fille, on a décidé de se séparer. On n'a pas besoin de savoir si elle mourut bien, si elle mourut pas bien, si son côté est doux, son côté n'est pas doux. Si ta pine est quelqu'un, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut là, c'est que vous puissiez respecter les femmes. Donnez-moi les étoiles. Je vais parler. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de mettre les étoiles. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont devenus les étoiles. La femme qui donne au moins 200 étoiles. Que Dieu te donne un mari qui va t'aimer plus que tout. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je porte la bague de ma femme. Voici ma bague, mon alliance. Voici mon alliance. Pourquoi je porte? Parce que même dans son tombeau, je continue d'aimer ma femme. Je continue de l'honorer. C'est par rapport à cela que Dieu me bénit. Il y a des femmes qui ont tout abandonné pour un homme. Elle fait un, deux, trois enfants. Lorsque l'homme voit que ses seins sont tombés, c'est les enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui? Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Donc finalement, vous avez donné raison à qui? Le papa de la fille qui est décédée là. Donc finalement, il avait raison. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Donc on doit humilier Eunice Yunon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Expliquez-moi. Quel est le crime d'Eunice Yunon? On la tue matin, midi, soir. On la tue, on l'humilie dans sa dignité. En tant que femme, fiancée officiellement. Elle dit, chérie, c'est pas normal. C'est pas normal. Laisse-moi t'accompagner dans ta tournée. Ma présence, ça va te protéger. Il y a trop de maladies. Tu vas aller prendre le sida avec une fille. Tu vas venir me transmettre ça. Ma vie va pas être détruite à cause de toi. Parce que les stars là, ils baissent sans préservatif. Parce qu'ils veulent sentir la chair. Ils veulent sentir le goût de la chair. Ils veulent sentir le clitoris. Ils veulent sentir le goût dans le goût. Les lèvres inférieures, intérieures, il veut sentir la pénétration. Tu vas venir me donner des maladies. Laisse-moi t'accompagner. Ah non, tu es trop sur mon dos, tu n'es pas ma mère, etc., etc. Champion, quand tu étais en prison, elle était ta maman. Quand tu étais dans les moments difficiles, elle était ta mère. Quand un père était bien avant de venir en Côte d'Ivoire, elle était ta mère. Quand personne ne voulait faire son avec toi, elle était ta mère. C'est elle qui a mis sa poitrine devant. Elle dit, je meurs pour mon gars. Tu ne peux pas lui dire merci en l'humiliant de cette manière. Moi, je ne suis pas de ceux qui aiment menacer. Vous dites non, à partir d'aujourd'hui, petit, on ne veut plus te voir en Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme ça. Non, nous, on n'est pas un pays comme ça. On n'est pas un pays xénophobe comme ça. Là, actuellement, si je me trompe, le président Samuel Eto'o, il est à Abidjan. Abidjan, c'est chez lui. Abidjan, c'est pour les Camerounais. En la CAN 2023, on va se Mougou là-bas. Il dit, ça sera la CAN du Mougouli, la CAN du Maploli.
Celui qui est Camerounais, pendant la CAN, tu ne viens pas en Côte d'Ivoire, tu as raté ta vie. Celui qui est Africain, pendant la CAN, tu ne viens pas en Côte d'Ivoire, tu as raté ta vie. La CAN, là. Hein? Les enfants métis qui vont sortir après cette CAN. Assini, Jacques-Ville, Bassam, San Pedro, Yamsoko, la baie des milliardaires. Et qui est? Seigneur, voici Coupe du Monde, on dit, là-bas, on ne doit pas mourir les femmes. Les Camerounais ont déjà préparé 3 à 4 extraits de mariage déjà. C'est-à-dire, il suffit juste maintenant de mettre seulement le nom de la fille qui va accompagner. Impossible, n'est pas Camerounais. Mes frères, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. On a combien de partages? À 10 000 partages, je vais donner la parole à certaines personnes. À 10 000 partages. D'abord, j'aimerais donner une information à toutes les femmes qui m'écoutent. Vous savez, quand je regarde l'histoire de Eunice Junon, c'est l'histoire de plusieurs femmes. On dit les femmes conscientes ont mal. Les femmes qui sont conscientes ce soir, elles ont mal. Ténor, je vais te donner maintenant un conseil en tant que grand frère. Ça, il te parle en tant que grand frère. D'abord, tu sais que tu es très mal barré. D'abord, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que le père de Denis Junon, en matière de droit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas camarade de quelqu'un. D'ailleurs, tu es très mal barré. Tu peux te faire tâcher. Je te donne conseil, hein. Le papa de Denis Junon, c'est un grand magistrat. Donc, Ténor n'est qu'à avoir la relation qu'il veut. Si lui, il a décidé de faire tâcher le petit, ils vont l'attacher. Et puis, ça va pas aller quelque part. Donc, pour l'heure, il faut éviter la destination de la Côte d'Ivoire. Pour ton bien. Maintenant, si tu penses que ce qu'ils ont été dit là, ce n'est pas bon conseil, il faut prendre tes organes et dire, mais Abidjan, il n'y a rien. Petit, tu as l'île là-bas. Son papa n'est pas camarade de quelqu'un, tu sais. C'est à cause de son père qu'elle ne veut même pas que son nom soit impliqué dans les scandales. Parce que son père est une autorité, est quelqu'un de notoriété, est une notoriété. Donc, il faut éviter destination de Côte d'Ivoire. Si tu veux plaire à la fille, ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé là, ça peut arriver dans tous les couples. Quand on dit amour là, il n'y a pas là dedans. On dit amour là, souvent il y a Nara. Vrai amour là, souvent il y a Nara dedans. Mais c'est celui qui filme qui est le plus maudit. C'est lui le sorcier de Ténor. Que Dieu le maudisse. Dans tous les couples, soit il y a des paroles, il y a des prises de bec et autres, la femme peut casser des choses, on s'attrape, on se lutte autres, on essaie de la calmer, ça existe. Mais à partir du moment où ça devient public, toi tu dois maintenant monter ce qu'on appelle de la hauteur. Champion, vagabondage, ça ne prend pas. Se comportant en Dieu, en mouchi, la champion, tu as vieilli, ça ne prend plus. Tu ne vas pas te donner toujours une image de cancre, ça ne prend pas. Il y a eu mort des femmes dedans. Il y a eu mort des femmes dedans. Dans ton comportement, oui, je m'en fous de tout, là. Il y a eu mort d'hommes. Donc maintenant, tu dois prendre conscience. Tu fais une délégation de sages, au moins un ou deux, aller demander pardon à ma femme. Tu comprends, non? Tu cherches à reconquérir le cœur de Nice. Bébé, s'il te plaît, c'est le diable qui veut nous diviser. Tu fais revenir la fille, tu l'honores, tu lui demandes pardon, officiellement. Maintenant, 6 mois plus tard, tu peux dire, ah bébé, vraiment, relation, là, vraiment, c'est vrai qu'il te demandait pardon, mais ça ne prend pas tout. Tu vois, non? Elle-même aussi, elle s'est dit, moi, mais il sent que ça ne prend pas, puis on ne sait pas comme ça. Mais de la manière dont ça s'en va là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Parce que derrière, c'est une mauvaise image. Le gars là, il a tué femme. Et puis, il y a une fille qui s'est sacrifiée pour lui là. Il allait la frapper, il allait l'humilier encore dans un hôtel. Le gars là, c'est un maudit. Voici ce que tu veux donner, l'image de toi. Or, tu n'es pas ici. Petit, faut te ressaisir. Nous qui parlons, on n'est pas des mendiants. Si c'est en matière d'argent, toi, on t'est pas, puis on t'embauche, tu chantes pour nous tous les jours. On n'est pas tes amis. On n'est pas tes camarades. Même au Cameroun, quand il est chez toi au Cameroun, on connaît qui sont les méga stars dans le domaine de la musique. Faut te calmer. Faut te calmer. Tes petits drogués qui sont autour de toi, ces petits maudits, les fils de je ne sais quoi, là, qui sont de te pomper, on en faut la laisser autre. Cela, faut leur poser la question. Si il faisait 10 ans en prison, est-ce que vous allez toujours être avec moi? Il y a des questions qu'un homme responsable se pose. Si j'étais toujours en prison, est-ce que vous qui parlez aujourd'hui là, vous allez cotiser, venir me donner la seule qui allait être prête pour toi, t'attendre pendant 5 ans, c'était Eunice Junon. Elle a perdu des contrats à cause de toi. Elle a perdu des relations à cause de toi. C'est maintenant, on va dire qu'elle est plus vieille que toi. Elle t'a aimé comme elle n'a jamais aimé un homme. Moi, je connais Eunice. Eunice vient préparer, elle vient chez moi. Il n'y a jamais eu même des bisous sur la joue entre elle et moi. Parce que la seule personne qui était dans sa tête, c'est Ténor. Quand je lui dis, hey, Ténor, il dit, mon général, laisse ça. Tu sens que la fille, elle est amoureuse. Est-ce que c'est un crime d'être amoureuse? Est-ce que Brigitte Macron n'est pas amoureuse d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un crime d'être amoureuse? Et je vois des femmes qui veulent venir, au lieu de défendre l'indéfendable. Eunice Yako. Eunice,
Moi, il vient te demander pardon. Pardon. Élise, non, te demande pardon. Nous, on est des hommes. Un vrai homme. Une femme n'est qu'à être fâchée. Comment il a fait asseoir. Il dit bébé, faut t'asseoir. Elle n'est qu'à crier. Comment il dit bébé, faut t'asseoir. C'est moi ton mari. Quand il te parle, faut t'asseoir. Ténor n'a pas respecté Eunice. Tu veux régler le problème avec lui-même. Et puis il y a son ami qui est assis là. Lui parle dans la relation. Lui décide dans la relation. Ouais. Ouais. C'est foutaise. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les étoiles. Hein. Ce soir, logiquement, il devait être au moins à 40 000 étoiles. Logiquement, Marcoso devait être à 40 000 étoiles. Toutes les femmes qui vont donner 200 étoiles. Je vais prendre toutes ces étoiles pour donner ça à une femme. À une veuve. Pourquoi donner ça à une veuve même? Il va prendre toutes les étoiles là. Aller payer un petit cadeau. Aller dire, Eunice, nous on vient te demander pardon. Tous les gars du showbiz en Côte d'Ivoire étaient fâchés comme ça. Toi, Eunice, tu nous as tous laissés. Pour aller prendre un petit Camerounais qui a tué femme là. Voici comment les gens parlaient à Abidjan. Voici comment les gens parlaient. Toi, Eunice, tu n'as rien d'autre à faire. Toi, tu es bête, hein. Le gars, il ne t'aime pas. Tout le monde décourageait Eunice. Eunice dit, je m'en fous. Et regardez aujourd'hui, tous les ennemis de Eunice. Comme ils vont se moquer d'elle. Hey, Ténor, tu n'as pas eu pitié. 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 Tu n'as pas eu pitié. Tous ceux qui l'en veulent, tous ceux qui disent, on va voir au mariage, on va partir. Tu as donné raison aux sorciers. Ténor. Ténor n'a pas sciencé. Ténor n'a pas sciencé. Ténor n'a pas sciencé. Ténor n'a pas sciencé, mes amis. Ténor n'a pas sciencé. Ténor n'a pas sciencé. Ténor n'a pas sciencé. Ténor, peu importe ce qui se passe, Ténor, tu ne devais jamais faire ça. Jamais. Jamais. T'as dit, depuis plus de 6 mois, on parle de Ténor, ton plat. Nous tous, on voit Ténor. Tu mougou toutes les filles au Cameroun. Là-bas, on sait ça. C'est pour ça la fille, tous les jours, obligée d'aller derrière toi. Pour ne pas que tu retournes dans tes anciens démons. Ténor, tu n'as pas sciencé. Ténor, tu n'as pas sciencé. Peu importe, Camerounais. Les blogueurs camerounais, s'il vous plaît. Quelqu'un dit quoi? Arrête avec tes menaces. Moi, je menace pas l'homme. Hein? Si moi, je dis, Ténor, même plus pire encore, il ne même plus pire Abidjan. Il était pas là. Moi, je dis, moi. Ténor dit, Marcoso, même plus pire encore, d'Ivoire, j'arrive au Cameroun. Il n'y a pas l'homme qui a dit, Marcoso, tu viens faire quoi au Cameroun? Faut te calmer, petit. Parce qu'on connaît le patriotisme camerounais qui est puissant. Mais si il dit, Ténor, mais plus pire Abidjan, il ne va plus. Tu sais que tu parles? Et ceux qui parlent et puis présent, mais ne même pas en prison. Faut te calmer, on m'a dit. Tu ne connais pas les relations des gens. Moi, je ne connais pas ces relations. Je te dis, tu ne me plus. Tu mets pas en prison, je ne pas dans les éléments de tes beautés. Nous, tu es frappé, mais ça parle quelque part. Mais je ne suis pas de cette nature. Parce que j'aime la paix. J'aime l'amour. Faut pas que cette relation va prendre le soin de venir créer des tensions encore entre les deux pays. C'est pour ça qu'il faut que je sois juste. Un homme, un vrai homme, sait se maîtriser face à de telles situations. Ténor n'a pas sciencé. Et actuellement, tous les ennemis de Eunice sont assis comme ça. Venez, oh, il y a affaire. C'est nous, on dit, on ne se marie pas, oh. Elle disait qu'elle allait se marier, oh. Venez. On dit, c'est quoi ça? On dit, c'est Eunice. Arrêtez ça. Eunice. Hey! Ténor, tu l'as mal tapé. Tu as pris sa tête, tu as tapé sur le sol. Et qui est? Bissin, regardez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Regardez la partie maintenant. Hey! Oh mon Dieu. Ténor, tu allais tuer deuxième fois encore enfant des gens. Ténor, tu allais tuer enfant des gens encore. Hey! Mes frères camerounais, c'est à Tangana qui vous parle. Joignez-vous à moi, on va demander pardon à Eunice. Pour le sacrifice qu'elle a eu à faire. Mais je tiens à mettre en garde. Les blogueurs camerounais, celui qui va vouloir humilier Eunice dans cette affaire, on va te faire lire l'heure. Pour l'heure, c'est la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique dans Facebook, c'est nous, on tient le pas à ça. Je demande aux influenceurs camerounais, j'appelle Aïcha,
J'appelle Flore de Lille. J'appelle Étoile Crivienne. J'appelle Sirofa. Parlez à votre enfant. Ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça. Ce que votre enfant a fait, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas venir prendre une fille qui s'est sacrifiée pour toi et puis l'humilier de cette manière. Ça ne se fait pas. Moi, ce que je demande, joignez-vous à moi. On va demander pardon à Eunice. C'est tout ce que je demande. Joignez-vous à moi. On va prendre Eunice, faire la soif. On dit Eunice, nous on vient te demander pardon. Sifa, tu vas répondre à avion pour venir à Abidjan. Au nom du Cameroun, tu vas présenter. Le président Samuel Eto'o, le président de la fête à foot, tu dois recevoir ta fille pour calmer le cœur de ta fille. Pour dire à ta fille que ce n'est pas l'image du Camerounais. Ténor, tu es en train de donner une très mauvaise image de l'homme camerounais. Ce que tu es en train de faire, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Une femme, elle est dégagée de ta tête, tu la maîtrises et puis tu la fais dormir parce que tu es un homme. Mais pense sa tête, tapée au sol. Ténor, tu as perdu ta raison. Pire encore, ton ami est en train de filmer. Ça veut dire que votre intention, votre objectif était un objectif d'humilier la fille. Parce que si l'intention d'humilier n'était pas là, pourquoi vous filmez? Si l'intention d'humilier Eunice n'était pas intentionnelle, si la volonté de l'humilier n'y était pas, pourquoi on filme? Et pourquoi on filme et on balance sur les réseaux sociaux? Dans quelle intention? C'était pour quel objectif? On filme parce qu'on veut laisser des preuves. On filme parce qu'on veut laisser des traces. On filme parce qu'on veut humilier quelqu'un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me dites que Ténor a raison, Eunice a tort, ok. Mais pourquoi on filme? Dans toutes les relations, une femme, même dans la rue, elle vient te gifler, elle vient te taper, elle vient te taper. Les hommes sont arrêtés, ils te regardent, hein. Ils vont calmer la femme, madame, non, non. Mais une fois que toi, tu portes le premier coup, tous les hommes commencent à te frapper. Pourquoi? Parce que la loi dit, un homme ne lève pas les mains sur une femme parce que la femme est un être fragile. Et on vient de le démonter. Eunice a bloqué. Elle est plus costaud. Elle est plus jeune. Mais Ténor a renversé la situation. Parce que nous les hommes, la force qu'on a vis-à-vis de la femme, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. La preuve, tu la tapes, tu la mets à terre. Mais tu prends sa tête et tu tapes sur le sol. Ça aurait pu faire une hémorragie. Eunice aussi, tu tapes en bouteille. Tu tapes sur sa tête, tu le piques. Il meurt devant tout le monde. Ça aurait pu faire autre chose. Mais qui est le maudit de la situation? Qui est le sorcier de la situation? Qui est le marbrier de la situation? Ce maudit-là, c'est celui qui est assis sur le lit. Et puis lui filmait. Il n'a jamais aimé Ténor. Depuis que Ténor est artiste, c'est toujours ce manager qui l'a toujours mis dans des problèmes. Pas des communiqués, bande de cons. Encore celui qui vient qui filme. Ton maudit à chaque 5h du matin. Tous mes démons sont de retour. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi des questions, je vais parler encore. Audi a envie de parler. Je demande à toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo, qui ont mal, écrivez Eunice, on te demande pardon. Écrivez Eunice, on te demande pardon. Je demande à toutes les femmes, écrivez Eunice, on te demande pardon. Elle mérite cela. Eunice a été la femme modèle. Eunice a été ce qu'on appelle une vraie femme. Nous tous, on rêve d'avoir femme comme ça. Moi, mais ça, si, si, là, mais je demande, est-ce que Dieu peut me donner femme comme Eunice? Une femme qui vient, qui est prête à mettre toutes ses finances pour toi, qui est prête à mettre sa carrière. Toi, tu as t'affiché avec un criminel, un homme qui a tué une femme. On dit, un homme a tué une femme. Toi, femme, tu peux t'afficher lui. Toi, tu peux t'afficher lui. Mais Eunice a pris le monsieur, elle a affiché partout, elle fait une forme. Elle dit, je m'en fous, je suis avec lui. Quelqu'un qui a la mort de quelqu'un sur sa conscience. C'est-à-dire, tu fais l'amour à lui, et puis tu sais qu'il partait baiser notre femme, et puis il y a une mort d'homme. Eunice a accepté ça. Eunice a caché ça. Eunice a protégé ça. Eunice dit, c'est mon bébé, c'est mon amour. L'amour de Eunice était tellement fort qu'on a tous oublié cette jeune fille qui est morte dans la voiture de M. Ténor à cause de l'amour d'Eunice. Eunice est une vraie femme. Eunice a réussi à effacer ça de la conscience de tout le monde par l'amour qu'elle a donné à cet homme. Eunice a montré par son amour que l'amour était tellement pur que les gens étaient tellement jubeaux, contents de voir l'amour,
Que quand il a tué, oh, quitté là-bas, il a tué qui, oh, oublié là. Elle est morte, Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que tout le monde était concentré sur l'amour. C'est le même gars là qui a tué une fille en voiture. C'est le même gars là qui est en train de frapper la femme qui est venue le cacher, qui est venue le protéger, qui est venue le relever. Lorsque tout le monde disait assassin, assassin, elle dit je m'en fous, ce n'est pas un assassin. Nous tous, on a fait une vidéo pour défendre Ténor à cause de Nice. Parce qu'on s'est comporté comme une belle famille. Et aujourd'hui, il n'y a pas là. Et je vois des personnes, Dieu merci, pas tous les Camerounais, qui veulent cautionner cela en prenant le seul et défendre la bêtise. Je ne suis pas prêt. Les 9000 personnes qui sont connectées ici, ma seule prière pour vous, c'est que Dieu vous donne, les femmes qui sont connectées, c'est que Dieu vous donne un homme selon votre cœur. Un homme qui ne va pas vous aimer dans les moments difficiles, mais un homme qui va vous aimer dans toutes les circonstances. Raison pour laquelle, aujourd'hui, j'aimerais annoncer quelque chose à toutes les femmes. Je suis Camille Makosso. Ce que je dis, ça peut être pris en bien ou en mal. Moi, il m'en fout. Moi, il donne mon opinion. Ça ne te plaît pas, tu es mon fan. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Ça, c'est ton problème à toi. Moi, il te dit ma vérité. La Bible dit, homme, tu aimeras ta femme et tu donneras ta vie pour ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Aimer une femme, là, c'est la protéger. C'est accepter ses défauts. Eunice a montré aux yeux du monde entier qu'elle aime Ténor. Ténor n'a jamais montré aux yeux du monde entier qu'il aime Eunice. Soyons vrais. Eunice a montré aux yeux du monde entier qu'elle aime Ténor. Ténor n'a jamais donné un seul signe qui prouve qu'il aime Eunice. Jamais. Jamais. Parce que dans sa gloire, il a trompé Eunice. Ils se sont séparés. Quand il allait en prison, tombé, Eunice est venu l'aimer. Il répand sa gloire. Il vient encore humilier Eunice. C'est la preuve qu'il n'a jamais aimé cette fille. J'aimerais donner mon WhatsApp à toutes les femmes qui me suivent. Démon, sortez de mon corps. Esprit de Dieu, répands mon corps. Répands mon corps. Démon, sortez! Voilà, sortez. Esprit de Dieu, reviens pas mon corps. Voilà. Toutes les personnes qui me suivent, qui vont partager cette vidéo dans 50 groupes, amenez-moi les captures en inbox sur mon Facebook là. Mon équipe va regarder puis sélectionner au moins 50 top personnes. On va les faire des transferts. On va les donner. J'ai mis 5 millions aujourd'hui en jeu. Je rappelle, voici la vidéo. Pour ceux qui suivent, voici la vidéo. Pour ceux qui suivent, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Voici la vidéo. Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Pompez les cœurs ici, là. Pompez-moi les cœurs. Je ne vois même pas les étoiles. Tous ceux qui vont mettre les étoiles, que Dieu vous élève en cette année 2022. Pompez-moi les cœurs. Mettez les cœurs pour Eunice Junon. Mettez-moi les cœurs. Quand une femme est humiliée de cette manière, quand tu es femme, la seule chose que tu peux faire, c'est dire, ma soeur Yako, mais venez t'asseoir. Non, elle n'aurait pas dû se comporter comme ça. Quoi? Toi, tu vois ton mari te tromper. Et qui est? Mais vous buvez l'eau là par les narines ou bien c'est par les anus. Tu vois ton mari tous les jours, on t'humilie. Tu vois son téléphone, message des femmes. Les femmes même t'appellent pour te menacer. Laisse tes noms, c'est mon chéri, c'est mon gars. Ton mari là, ça n'ira nulle part. C'est moi, je le gère. La femme a supporté tout ça. Elle encaisse pendant plus d'un an. Elle voit son mari là. Toi, femme, tu peux accepter que ton mari te trompe. Tandis que tu as tout fait pour lui. La femme se fâche et on l'humilie. On la filme comme une vulgaire petite salope. Comme si c'est une chienne. Ténor est star. Eunice Junon est star. Ténor n'a pas encore fait parler de la culture. Même au Cameroun, je n'ai pas encore vu le concert de Ténor. Mais Eunice Junon a rempli parler de la culture. Donc en matière de palmarès, là, Eunice Junon, dans son pays, elle a rempli salle du palais de la culture. Je ne sais pas encore, ça fait combien de temps que Ténor ne fait pas encore des spectacles au Cameroun. Respectons les gens. Respectons. Si vous ne pouvez pas arranger, ne divisez pas. Je donne ici, moi. Je rappelle, mettez les cœurs ici, là. Là, là. Vous cliquez ici, partagez. Tous les fans de Eunice Junon, tous les mamayas du général, tous mes commandos, partagez cette vidéo. Cliquez ici. Cliquez ici, partagez. Là, vous cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste de groupes. Tous ceux qui vont partager, vous partagez si vous cliquez les cœurs.
Vous partagez ici, vous mettez, vous faites les captures. Vous partagez, vous faites les captures. Vous partagez, vous faites les captures. Vous partagez, vous faites les captures. Vous m'amenez ça en inbox. On va sélectionner au moins 50 personnes. Tout le monde ne peut pas être récompensé. Mais les 50 premières personnes qui vont partager et qui vont m'amener cela en mon inbox, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux femmes. Vous voyez, quand vous prenez une décision de vous marier, c'est un conseil que j'aimerais vous donner. Demain, je vais encore répondre le dossier de Eunice et de Ténor. Parce qu'il y a des papos qui viennent. Demain, il y a rien de encore en profondeur. Tous ceux qui sont en France, d'abord, j'ai un cadeau pour vous. Ce livre-là, ce livre que je vous présente ici, il a révolutionné la vie de près de 50 000 personnes dans le monde entier. C'est les secrets de la réussite. Il est impossible de lire ce livre et puis de mourir pauvre. Je prophétise sur ta vie que 2022 ne sera pas pour toi une année d'échec. Dès lors, je vous donne à vous tous mon WhatsApp. Tous ceux qui sont au niveau de la France, la Belgique, l'Europe, écrivez-moi maintenant sur mon WhatsApp 00225. Prenez-le. Prenez-le, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en train de donner les étoiles, ce n'est pas pour moi vous donner, c'est pour Eunice. Toutes les étoiles qui viennent, ce n'est pas pour moi, c'est pour Eunice. Je lui transmets tout ça. Toutes les étoiles d'aujourd'hui, là, je pense à acheter un coca pour dire Eunice, il faut boire ça, Yako. Donc, tous ceux qui vont donner les étoiles, sachez que c'est pour Eunice. D'abord, moi, je ne suis pas pauvre. Voilà. En France, je suis propriétaire de ma maison. Clair et net. Les gens voulaient faire débat, je les ai montés papier de notaire, ils sont tués. Je ne suis pas leur ami. Mais ce soir-là, je veux parler au cœur d'une femme. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, voici mon WhatsApp. 00225 01 50 50 50 22. Prenez-le. Faut le prendre. Tu es bête. Quand tu dis de pas, faut prendre. Tu es trop bête. Ta vie est bloquée. Tu dis prends un numéro qui a changé le cours de ton histoire. Tu discutes. Tu bois quelle drogue? Prenez le numéro. 00225 01 50 50 50 22. Tu m'écris, tu dis, mon général, je veux mon cadeau. Les 5000 personnes qui vivent en Europe, qui vont m'écrire maintenant. Voici mon téléphone. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent. Hier, j'ai répondu à 3000 messages. J'ai fini de répondre à 3000 messages. Là, je sors combien de messages. Je retourne la caméra. Moi, je parle toujours les preuves. Regardez là. Regardez là. Je sors combien de messages. Là. Voici les messages qui viennent. Regardez vous-même. Là, on a 1127, 1130, 1133. Regardez bien. Voici les messages que le général répond par jour. Tout ça, là, ce sont des messages. Tout ça, là, ce sont des messages. Tout ça, là, ça fait combien? Ça fait 1164. Et là, ça s'est bloqué à quelle heure? Ça s'est bloqué à 20h30. Là, il est 22h30. Voilà les messages qui viennent. Voici les messages qui viennent. Prenez le numéro. Prenez le numéro 00225 01. 50 50 50 22. Prenez le numéro 00225 01 50 50 50 22. Tous ceux qui sont en France, vous aurez droit à trois cadeaux. Le premier cadeau que je vous envoie, c'est le livre. Le deuxième cadeau que je vous envoie, c'est une surprise. Maintenant, toutes les femmes qui m'écoutent, écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer quelque chose rapidement dans mon téléphone. Laissez-moi retourner. Ici, on est dans fichier. Là, on est dans fichier audio. Vous voyez, ici, là, c'est marqué prière de l'enfantement, du mariage. Ici, c'est marqué prière de l'enfantement. Là, c'est marqué prière de mariage. Là, c'est marqué prière de l'enfantement. Je viens de finir exactement 3 jours de jeûne. Je viens de finir 3 jours de jeûne et prière. Parce que j'estime qu'au-delà d'être un influenceur, je reste général de Dieu Camille Makosso. Veillez tout le monde écrire, mon général, je t'aime. Si je vois les commentaires, mon général, je t'aime, je révèle quelque chose. Et dans les 3 jours de jeûne, Dieu m'a montré 2 choses. Numéro 1, la raison fondamentale qui fait que plusieurs femmes ne se marient pas, c'est une malédiction qui existe dans les familles. L'erreur que Eunice a eu à commettre, c'est de trop afficher sa relation, son mariage, les tenues qu'elle faisait, les sorciers ont trop parlé dans son affaire. Le problème est d'abord spirituel. Parce que dans la vie de Ténor, il est écrit dans sa famille que Ténor ne doit être que l'homme qui rapporte de l'argent. Il doit être un djangui. Les femmes doivent passer de femme en femme. C'est des liens qui existent. Il a besoin d'une délivrance. Plusieurs femmes ont été dans des relations. La relation ne dure pas 3 mois. Je vous dis ici, celle qui ne va pas m'écrire sur mon WhatsApp, en fait, tu ne me payes pas.
Parce que j'ai tout ce que Dieu, tout dans ma vie, ce que j'ai cherché, Dieu m'a donné. Il m'a donné de merveilleux enfants. Mes enfants ne devaient pas arriver en France. Parce que tous les passeports, tous les visas étaient périmés. Tous les visas étaient périmés, étaient déjà expirés. Et toutes les lettres d'invitation que j'avais données étaient expirées. Voici le visa de tous mes enfants. 6 mois, 6 mois. Ils arrivent la semaine prochaine. Ma fille est chef d'entreprise. Elle a sa société de make-up. Elle fait chiffre d'affaires minimum. Tout dernièrement, en 3 jours, elle a fait 1 150 000 francs. Parce que je lui ai donné seulement que ça. Ce petit truc que vous voyez là. Voici le parfum que les juifs utilisent pour avoir l'argent. Je vais le remettre à 1000 personnes qui vivent en France gratuitement. Le dimanche 4 septembre à Bobigny. Je rappelle, le dimanche 4 septembre au niveau de Bobigny. Tous ceux qui sont, je donne l'adresse. L'espace, la palme. Je donne l'adresse de la convention du dimanche 4 septembre à partir de 10h. Tous les Camerounais, quand vous venez, déjà pour vous, j'ai une surprise. Je rappelle l'adresse. 90 avenue Henri Barbus. 93 000 Bobigny. Je rappelle l'adresse. 90 avenue Henri Barbus. 93 000 Bobigny. Tous ceux qui sont en France, d'abord, que ce soit homme ou garçon, vous m'écrivez, vous dites, mon général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Pour les gens de l'Afrique, c'est demain, je donne l'information. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Dis, mon général, je veux mon cadeau. Je t'envoie gratuitement mon livre. Numéro 2. Toutes les femmes qui veulent être mères, qui cherchent un bébé. J'ai emmené cet homme prier il y a 3 jours à une dame dont le mari est diplomate. Ça faisait exactement près de 7 ans qu'ils sont dans une relation sans enfant. Aujourd'hui, elle a fait le test. Elle m'a dit, mon général, je ne peux pas crier victoire très tôt parce qu'il y a d'autres examens approfondis que je dois faire. Mais le jour où j'ai écouté cette prière, j'ai vu comme des pètes blanches sorties de mon sexe. Mes frères, j'ai tous les défauts. Mais en matière de Dieu, on n'a jamais entendu Marco se taper pour toi quelque part. Ou une personne venir dire, cet homme, je le connais. Il m'a arnaqué une fois. Jamais. On peut tout me reprocher. Mais on sait que Marco est un homme au grand cœur. C'est pour ça, même dans ma colère, je trouve toujours une issue de solution. Toutes les femmes qui cherchent un enfant, vous m'écrivez. Toutes les femmes qui prient Dieu pour qu'en 2022, vous puissiez vous marier. Pendant 3 jours, je n'ai bu que des jus. Et j'ai dit à Dieu, toute femme qui va écouter cette prière, si tu ne changes pas sa vie, moi je démissionne. Je m'adresse à toutes les femmes qui sont connectées. Mon numéro de téléphone WhatsApp, le voici. Les 5000 premières femmes qui vont m'écrire sur ce WhatsApp, je vous donne 72 heures pour me rendre un témoignage. Je rappelle mon numéro de téléphone, prenez-le. 00225. Si je disais, écrivez-moi pour vous donner de l'argent, vous allez être les premiers à écrire. Mais la malédiction qui est derrière ta vie, qui fait que ta vie est toujours pauvre, si cette malédiction elle est ôtée, l'argent viendra vers toi, le mari viendra vers toi, l'enfantement viendra vers toi. Mais le problème de ta vie, c'est que tu n'aimes pas tenter, tu n'aimes pas essayer. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez un pasteur qui est plus populaire que Makoso? Non. Mais combien d'hommes de Dieu donnent leur numéro de téléphone privé en direct? Je n'en connais pas assez. Je le fais pourquoi? Parce que je suis à votre service. Je rappelle le numéro de téléphone WhatsApp. 00225 01 50 50 50 22. Pour ceux qui m'écrivent en privé et disent, mon général, je veux le parfum. Non, vous ne pourrez pas l'avoir. Il s'est destiné uniquement pour ceux qui sont en France. Donc si vous êtes en Belgique, si vous êtes en, je peux le dire, en Hollande, en Suisse, vous descendez sur Paris le 4 septembre. Et le numéro de téléphone de Paris pour inscrire votre nom, parce que l'entrée est gratuite. Mais comme c'est à 1000 personnes qu'on va donner, et qu'il faut avoir au moins ton nom sur la liste, je demande à tout le monde d'envoyer un message à ma secrétaire, Louise Dureux. C'est une Camerounaise. Ma secrétaire mondiale est une Camerounaise. Il y a où on entend encore une image? Parce que j'aime parler avec des preuves. Ma secrétaire mondiale est une Camerounaise. Je vous montre encore une autre preuve. Ma secrétaire mondiale est une Camerounaise. Je vous montre quelque chose encore. Parce que j'aime tellement parler avec des éléments de preuve. Celui-là. Voici mon garde-corps. Au niveau de la France. Le voici. Quand je suis en France, voici mon garde-corps. C'est lui qui est là.
on l'appelle, tu t'amuses, tu dors. Lui là, on l'appelle, tu joues, tu dors. Regarde-le bien. Il ressemble un peu à Francis Ngannou. C'est un Camerounais. Mes liens avec le Cameroun sont des liens qui sont forts. C'est pour ça que je refuse que le mauvais nom d'un Camerounais soit dans la bouche des Ivoiriens. Et je préfère sortir en même temps pour dire, Ténor, tu n'as pas raison. Pour la simple raison que tu es un homme. Deux, la femme s'est sacrifiée quand tu n'étais rien en prison. Trois, ton ami Fim pour venir l'exposer. C'est trois raisons. Fais en sorte que tu n'as pas raison. Tu as tort. Et j'aimerais appeler les autorités camerounaises. Ces gens d'actes, vous ne pouvez pas tolérer ça. Donnez des conseils à votre enfant. Monsieur le directeur de cabinet, suivez mon regard. Donnez des conseils à ce petit. Il va un peu trop loin. Il va un peu trop loin. Il y a eu mort d'homme. Maintenant, il y a violence sur femme. Parce qu'on te voit prendre sa tête pour taper le sol. Peu importe la raison d'un homme, la folie d'une femme. Un homme reste un homme. Il ne touche pas la femme. C'est la loi. Je rappelle le numéro de téléphone de ma secrétaire au niveau de la France. Prenez le numéro de téléphone de ma secrétaire en France. Pour toutes les personnes le 4 septembre, vous venez récupérer ça à partir de 10 heures. Cet élément est un élément que les juifs utilisent. Ça s'appelle l'accélérateur des finances. C'est un élément qu'on utilise tous les lundis sous la plante des pieds. Parce que la Bible dit, tout est que tes pieds foutent, Dieu te donne un héritage. L'homme qui vous parle, si j'étais misérable, tu aurais pu dire, oh, Marco, c'est fou le camp. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Et je fais exactement près de 750 millions de francs CFA minimum par an dans le domaine de l'immobilier. Ma fille est chef d'entreprise. Et je vous présente la boîte de ma fille. Elle a 18 ans. Elle n'a que 18 ans. Aujourd'hui, ma fille est chef d'entreprise. La voici. Elle a fait sortir son make-up. Voici ma première, ma deuxième fille ici, qui est son mannequin. Ma troisième fille est la directrice de communication. La voici ici qui parle. Donc, qu'est-ce qui nous amène à être riches? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'argent vient vers nous? Ce sont les parfums bibliques. Tous ceux qui me suivent, qui veulent obtenir le kit, parce que le kit, c'est un élément de plusieurs parfums bibliques que les juifs mettent à la disposition des hommes d'affaires qui veulent être riches. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Vous dites, mon général, je veux le kit complet d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les finances vont vous poursuivre. Demain, je vous fais sortir les audios en Ténor et Unition. Demain, je fais sortir des papiers trop graves. Et puis demain, je vais vous montrer les 7 raisons qui font que les femmes ne se marient pas. Mais ce soir-là, le numéro de téléphone de ma secrétaire de France, c'est le 00337. Prenez le numéro. 00337 70 15 07 50. Je répète. Le 00337 70 15 07 50. Je termine pour dire à tous les Camerounais qui me suivaient, le 10 septembre, le samedi 10 septembre, au niveau de l'Olympia, nous avons Lady Ponce. Je retourne la caméra pour que tout le monde puisse bien voir. Nous avons l'artiste Lady Ponce, la voici, qui a son concert le 10 septembre. Je serai présent. J'irai soutenir cette dame. Parce que Lady Ponce décide. Regardez toutes les couleurs. Ce sont les drapeaux du Cameroun. Elle dit, je vais prendre l'Olympia. Quand Fally Ipupa arrive, les Congolais montrent de quoi ils sont capables. Quand Sidiki Diabaté arrive en France, les Maliens montrent de quoi ils sont capables. Le 10 septembre, nous les Ivoiriens, on va regarder pour voir si les Camerounais sont aussi capables de prouver ici en France qu'eux sont prêts pour leur drapeau. Si le jour-là est à poteau, on va se moquer de tous les Camerounais. Camerounais, écoutez-moi bien, vous n'avez pas le choix. Fally a fait pour lui. Sidiki a fait pour lui. Arafat a fait pour lui. Même tout dernièrement, on a notre artiste K.S. Bloom qui est venu baisser ça ici à Paris. Camerounais, voici votre jour. Le 10 septembre, à Olympia, le Camerounais qui n'est pas présent au spectacle de Lady Ponce, c'est le plus maudit de tous les Camerounais qui vit en France. C'est un sorcier, c'est un diable, c'est un démon. Parce que ce jour-là, ce n'est pas fait de conseil de Lady Ponce. C'est une affaire d'honneur national. On va soutenir notre drapeau parce qu'il s'agit de Lady Ponce. Il s'agit du Cameroun. Dès lors, j'aimerais conclure en disant,
à tous ceux qui sont connectés et ceux qui ont suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que ce mois d'août ne finisse pas sans que Dieu puisse accorder à votre vie une porte et une bénédiction. Des femmes, en voyant cette image de Eunice Zinon, ont été replongées dans des violences conjugales qu'elles ont vécues. J'aimerais vous dire, tous les hommes ne sont pas ici. Toutes les femmes, envoyez-moi un message. Vous les femmes qui n'êtes pas mariées. Je suis à combien de messages actuellement? Permettez-moi de contrôler. Je suis à combien de messages? Je suis à 1292 messages. Je rappelle toutes les femmes qui sont connectées. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Dis-moi, général, je veux la prière du mariage. Toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo, la prière, elle est gratuite. Je vous donne 3 jours après cette prière. Vous rendez un témoignage. Toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, écrivez-moi. Dites-moi, général, je veux ma prière de l'enfantement. Je suis trop riche. Tu ne peux rien apporter à moi, ma vie. Je rappelle mon numéro WhatsApp. C'est le 00225-01. Ça commence à venir. 01-50-50-50-22. Tous ceux qui vivent en France, tous ceux qui vivent en Europe, tous ceux qui vivent sur le continent américain et canadien, vous m'écrivez. Australie, vous m'écrivez. Vous dites, mon général, je veux mon cadeau. Je vous offre un cadeau ce soir. Je rappelle mon WhatsApp. Je rappelle parce qu'on parle, mais tu es célibataire. On te mougou, on ne te marie pas. Les hommes te lapent, ils lapent ton clitoris, ils ne te marient pas. Tu as vieilli dans ça? Non. Ce soir-là, c'est le terminus. Il faut m'envoyer un message. Dis, mon général, je veux la prière de mariage. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, dis, mon général, je veux la prière du mariage. Numéro 2, pour les femmes qui n'enfantent pas, dis, mon général, je veux ma prière de l'enfantement. Le WhatsApp, c'est le 00225-01-50-50-50-22. Demain, Ténor Eunice, match retour. C'est le général qui a pris le dossier. C'est de ça qu'il s'agit.